Et bonsoir tout le monde, ici Jake pour Ivasan Studio. De retour, toujours sur Pokémon Snap, les photos, les Pokémon, tout ça. J'espère que vous avez bien mangé. Que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Et voilà. Donc là, on repart sur New Pokémon Snap. Et on va... poursuivre notre aventure, mais on va changer totalement de zone par rapport à cet après-midi. On va partir direction le volcan de Aptos, le volcan Lavacool. On va voir ce qui s'y passe, on va aller se réchauffer un petit peu parce qu'il commence à faire frisquette ce soir. Un petit peu quand même. J'ai pas fait de off, hein. Entre temps je n'ai absolument pas fait de off du tout. Donc il n'y a rien à voir. Donc direction là tout de suite maintenant. Le volcan Lavacool. Et je vois pas mon chat en face, c'est bien, donc j'espère que j'arriverai. Peut-être si je tourne un peu le PC. Voilà, bon, à peu près, c'est de l'à peu près, je tournerai la tête, c'est pas grave. Direction le volcan. Donc logiquement, on va croiser des Pokémon feu. Peut-être des Pokémon... Bon, même sûrement des Pokémon Rush. Voilà. C'est cool. Ouais, déjà, il y a un oiseau bizarre là. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Demi-tour, de suite. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Altaria. Un Luxray. Et là, j'ai déjà. Ah, mais oui, c'est par rapport au désert. Donc, oui, c'est normal que j'ai déjà Comment ça s'appelle? Les orbes. Je se fiche totalement de ce que je suis en train de faire. Ok. Oh, je pense qu'il va falloir lever la tête. Ça, c'est un niveau où il va falloir lever la tête. Très sûrement même. C'est quoi ça? Wow! Bonjour! C'est quoi? Ça me terra. Ça c'est quoi? Je connais pas. Aéroptérix. Il y a un dinosaure. Chip en feu. Chimp en feu plutôt. Il y a une fleur de cristal là-bas, mais je n'arrive pas à la prendre. Ok, la fleur de cristal, c'est bon. C'est un niveau bizarre quand même. Grand, très grand niveau. Vous êtes content ou pas? Ils ont une tête de serpent. On dirait que c'est des Quetzalcoatl. On retourne. Allez, devant. Ah, c'est pas là devant. C'est où? C'est où devant? C'est là devant. Terra. Demi-tour, 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 demi-tour. C'est quoi? Le mur est incrusté de larges fragments d'ambre. D'accord. J'ai un peu du mal à... Voilà. Avalanche. Tout serait. À comprendre où est le... De... Il y a beaucoup trop de... Comment dire? De hauteur, tout ça. J'ai fait tomber un Gravalanche. Oups. Pardon, Gravalanche. Ah. Eh ben c'est peut-être... Ok. Pour le prendre en photo, celui-là, ça va être chaud. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un lit magma. Le petit lit magma. Lit magma qui s'est cassé la binette. Très bien. Ok. Ah, ça vole ces machins? Difficilement, mais ça vole.
Il y a un truc là. Un Pokémon ça? Je sais pas, ça a l'air d'être un reflet. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah mais c'est lui, ok. Ah oh, Salamèche. Je vole Salamèche. Salamèche qui saute. Peut-être des choses sur ce côté-là. Oh oui, très sûrement même. Bonjour. La pomme en feu. Oh le pauvre. Il mange la pomme. Il va être content ou pas? Ouais, content. Des ruines, tout simplement. Il y a un truc là-bas quand même. Et c'est déjà fini? Wow, ce fut rapide. Ce fut bien rapide. J'en ai quand même photographié 9. Là, il est plus devant. Médecin là. Luxray. Comment on dit? Luxray. Voilà. Médecin là. Ah, mais il y en a une en. Il y a du 1, il y a du 3. En 3, il fait quoi le Luxray? Je vois pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Il saute? Il est en plein saut là? On va mettre ça juste pour avoir une 3, mais sinon... Terra, il n'y a que du 1. Oh. Celle-là ou celle-là? Celle-là, elle est rigolote. Aéroptérix, il y a du 1, du 2 et du 4. Le 4 en premier. Le 2, ici, c'est quoi le 2? Le 2, c'est... Et le 1 c'est comme ça, d'accord, okay. Bon, on va mettre la 4. Comme ça sera fait. Rexilus, on a du 4. On a du 1 étoile et du 3 étoiles. Bon, ça c'est juste on prend en photo. Il est tellement grand qu'il rentre dans aucun cadre quoi. Prendre ça là. J'ai un pont feu. Pas ouf les photos. Je vais prendre celle-là. Salamèche. Et du 1. On va prendre Salamèche quoi. En 2, c'est il mange. Et en 3, c'est il est super content. Celle-là avec le limada. Je vais prendre celle-là. Ouais, celle-là là. Gravalanche. Et que du 1. Médecin là, mais la photo sera à reprendre. L'imagma, il n'y a que du 1 étoile. Donc on va prendre la plus belle photo. C'était quoi ça? Il y a un truc qui vient de se casser la gueule, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Oh, elle est bien celle là. Elle est super drôle. On les voit pas en entier. Mais en vrai j'ai envie de la tenter quand même. La fleur de Krista et les ruines antiques. Un Pokémon quoi, il vole, mais pourquoi est-ce qu'il est dans le volcan? Oh, belle photo. Et une photo en or quand même.
Une photo en or. Une photo en or aussi. Une photo en diamant. Ouais. Alors ça, c'est quoi? Allez, bronze. Ouais, voilà. Celle-là, ça va complètement en retard. C'est la mèche. Allez, je dirais argent. Et non, c'est de l'or. Et gravalanche. Ah, mais il y en avait deux gravalanches là, je les avais pas vu. Ah, bronze. Enfin, lit magma. Ah, bronze, d'accord. Tant pis. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais garder l'autre. Bon, c'est pas grave. Et enfin, les ruines antiques. Niveau 2, direct. Et il va manquer 58 000. Avec une bonne amélioration possible. Quand même. Dragon. Terra, il est de type dragon. Vous avez enregistré deux Pokémon de type dragon dans le photodex. L'eau classe, ça doit en être un. Ça doit être Terra. Mes recherches ont bien avancé. Oh là là. Retournons à la base avec de nouvelles missions. Ça doit être Terra, j'ai un doute quand même, mais ça doit être Terra. Ouais. Bien, je vois que nous sommes au complet. Professeur, vous avez fait une nouvelle découverte. Tout à fait, j'ai trouvé un nouveau site de téléportation pour les Neowan. Ce sera pas pour de suite. Vous voyez cette immense montagne qui s'élève au fond de Kaelis. Bah tiens, qu'est-ce que je disais cet après-midi? J'ai détecté une source d'énergie à son sommet, dissimulée dans les nuages. Dans les nuages? Ok. Ah bah tiens, dans les nuages? Vous voulez dire qu'on va se téléporter? Dans le ciel? Ah ah, mais non, pas dans le ciel. Il semblerait qu'au-dessus de cette mer de nuages se cache une forêt. Depuis quand Pokémon, c'est un jeu fantastique? La classe! Cet endroit semble regorger de mystères. Mais en gros, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est la montagne, elle est très très haute, qu'en haut, il y a une forêt, qu'elle est cachée par les nuages. Enfin, que de la géologie. Quoi. Cet endroit semble regorger de mystères. Même en vue aérienne, on n'y voit que... du brouillard. Stylé, quand est-ce qu'on y va? Pas aujourd'hui. Je vous laisse aller explorer tout ça, je suis sûr que vous allez faire des découvertes fascinantes. Quelles sont les missions du jour? J'ai lu le provocateur, je pense que ça doit parler d'un faire tomber un gravalanche. Oh là, oh là, en fait il y en a plein. Le dragon chantant. J'entends souvent un Pokémon fredonner dans cette zone. Je me demande à qui appartient cette jolie voix. Alors, sachant que le jeu de base a un son faible, un dragon. Je sais pas. Le provocateur. Rexilus s'est fâché tout rouge. Mon chimpanfeu lui a montré son derrière. Mais moi, j'ai trouvé ça trop mignon. J'aurais voulu voir la scène de plus près. Ok. Ah, mais en fait, le dragon, c'est peut-être Rexilus. Attendrir un aéroptérix. Les aéroptérix sont plutôt du genre méfiant. Mais s'ils se sentent assez en confiance, je pense qu'ils voudront bien manger des pommes tendres. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Et enfin, la cascade de lave. Rita m'a dit qu'elle a vu un lit magma remonter une cascade de lave. Remonter la cascade de lave? D'accord. Eh bien, retournons. Non, bah, je fais. En volcan. Nouvelle zone disponible. Non, pas pour aujourd'hui.
pas pour aujourd'hui. Là, on se concentre sur le volcan. Et on verra la suite plus tard, sachant qu'il faudra déjà voir les fonds marins et après aller voir la forêt sibylline. Oh là, ça a l'air d'être... Il va y avoir du Pokémon Ténèbres là-dedans, là. Pokémon Psy. C'est vrai que Pokémon Psy, on en a pas trop croisé pour le moment. Pas du tout. Alors, comment se présente cette zone? On commence dans cette espèce de lac, après il y a un tunnel. Après on passe par là. Okay. Bon, il y a 58 000 d'XP à avoir. On va faire en sorte. Il y a un truc là-haut là. Ah, mais c'est... Voilà, doucement. Ça réagit pas. Ça réagit pas. Ah oui. Beaucoup trop loin. Oh, viens là toi, il est où? Mais il va trop vite. Il va trop vite ce truc. Ok, les gravalanches, ça c'est fait. Il y a quelque chose là-haut. Ça c'est bon. Manger si tu veux. Là-haut aussi, là. Dans toi. Réveille-toi. Il veut pas. Ah, mais il y en a plusieurs. Attends, Salamèche, reviens là. C'est de la lave? Depuis tout à l'heure, je croyais que c'était de l'eau, mais en fait, non. Du feu peut-être. En tout cas, ça la mèche, il se régale. Ça la mèche mange. Okay. J'ai fait quelque chose.
Qu'est-ce que j'ai fait? Un lit magma. Il réagit pas. Et il a cramé la purée. Je me suis pas précipité pour prendre la photo au bon moment. C'est quoi ça? Un bel graphique, d'accord, ok. Explosion. Il est trop beau. Oh, génial, il fait l'animation. Bon, je vais aller un peu vite sur le spam photo. Nouveau Yaptera. Il va se poser ? Purée, il va se poser. Il s'est posé. S'il mange, Yaptera. Peut-être que non, il n'y a pas mangé. Par contre, là-haut, j'ai vu ça, là. C'est l'entrée. Là où on vient, il y a peut-être un truc à faire. Un Pokémon qui peut sortir au dernier moment ou quelque chose comme ça. Bon, ce Pokémon photographié quand même. Altaria en 3 étoiles. Bah ouais, mais elle est pas ouf. Aeropteryx en 1 ou en 3. C'est laquelle où il mange? Putain, là elle est trop cool. Bon, je vais partir sur ça. Ixi en 1. Limagma. Limagma. Saint-là. Et bon voilà. Gravalanche en 2. Et en 3. Bah en 3 de suite. Sans trop réfléchir. Chimpanfeu en 2. Là il est beaucoup trop loin. C'est dommage, elles sont chouettes. Là il est trop sur le côté, mais il fait un salto. Là il est centré. C'est ça qui a donné le plus grand score. Hein. Typhlosion, bah, il y en a qu'une. Terra, il y en a qu'une. Rixilius, bah, il y en a qu'une. Salamèche, 1. On reprend une photo. Et du 2. D'accord. Char 3. Quoi, les autres photos pour voir quand même. Dommage, ils sont chouettes. Hein. Chartor même, c'est pas Chartor, c'est Chartor. En 1 étoile et en 2 étoiles. Bon, celle-là on pourra la reprendre facilement. Là il n'y en a qu'une par contre. Voilà. La fleur. Et ça c'est raté. Ouais, petit score. Très bon score. Très bon score aussi. Ouais, c'est mieux. Ouais, moyen score. Moyen score. Bon score. Ah, allez, moi. Bon score mauvais, même. Bon score moyen. Ah, ça doit être bien. Très bon score, du diamant. Enfin, la victoire de Vita. On va mettre ça là. Bon, il y avait 50 et quelques mille, je pense pas que ça fasse, voilà, 50 000, que ça fasse, 20 000, 25 000.
34 000. Ah, ok. 34 000. Vous avez découvert un nouveau parcours. La grotte de lave bleue. Mais c'est moi qui ai choisi ce parcours. À propos, mes recherches ont bien avancé. Non, encore. On rentre à la base. C'est fou qu'il y ait des ruines dans un endroit pareil. C'est vraiment des humains qui les ont construites, mais comment? Ce sont bien des ruines d'édifices humains, ils semblent avoir été érigés dans un but précis. Quant à cette ouverture que vous avez vue dans le mur, il semblerait que ce soit l'entrée d'un tunnel. Et d'après l'énergie relevée par nos capteurs, il se pourrait qu'il abrite un Pokémon luminescent. Ça faisait longtemps! Il mène quelque part ce tunnel? J'imagine qu'il doit mener au cœur du volcan. Il va y avoir un autre truc à faire là-dedans, c'est ça. Donc vous pensez qu'il est utilisé par un Pokémon? Je me demande bien quel Pokémon ça peut être. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. À vous de jouer. À toi de jouer. Vas-y Yugi. Ah non, c'est pas le même animé. Alors, nouvelle mission, atterrissage réussi. Les Ptera ne sont pas à l'aise au sol et préfèrent voler tant qu'ils se sentent menacés. J'imagine qu'ils atterrissent au moins pour manger des pommes tendres. Du coup, bah, comme tout à l'heure, il va falloir attendre que le Ptera atterrisse et tenter de lui faire manger une pomme. Et ça, c'est quoi ça? Nos capteurs ont relevé une incroyable quantité d'énergie lumina par ici. Le moindre impact pourrait facilement déclencher une réaction. J'ai pas lancé d'orbe, j'ai lancé des pommes. Bon. Au moins, on le trouve. Oh, attends, on peut les classer? Ah ouais. Allez, retour au volcan. Et du coup, il y a accès à la source lumineuse. Ok, alors là, par contre, réflexion. Donc, il y a bien... deux endroits et donc deux fins différentes. Mais à quel moment j'ai pu choisir? Ben, je pense que là c'était pour le scénario, il m'a pas fait choisir. Il va falloir bien ouvrir les yeux avec le radar pour savoir à quel moment vraiment on peut changer de direction ou pas. Là où on va les recroiser, eux là. Là, ils s'en vont. Ouvrir les yeux. Oh, c'était quoi? Flambusard. Je l'ai complètement raté. Lui aussi, hein, carrément même. Il y en a un là-bas perché. On peut entendre un fredonnement enjoué. Ah bon? Là. Mais... c'est pas toi qui fredonne ça, la mafie? C'est qui fredonne? J'ai raté quelque chose.
toi, je sais que t'aimes les pommes. Va manger la pomme. Voilà. On voit plus rien. Ah mais c'est parce qu'il bloque le passage. Je sais pas si je l'ai eu. C'est où le passage? Ok. Là, il va falloir lancer les orbes sur la droite. Il n'y a rien sur la gauche. Ah, il est tombé. Je mets plein d'orbes, allez. Vous battez pas pour manger, hein. Attendez, il y a là une fleur par contre. Il y a un bruit. Il y avait un bruit. Je sais pas, mais il y avait un bruit. Hein. Il me reste 38 photos, il faut que je fasse attention. Ne pas oublier le typhoson. Il y a un truc là-haut. Plusieurs terras. Il y a ça toi ou pas? Pas vraiment. Il y a ça. Encore moins. Il y a ça. Bof. Une grotte profonde. Ok. Comment s'est passée cette exploration? J'espère que tu as fait de belles découvertes. Ça a l'air. Alors, en 3. Bon, ça va être beaucoup mieux. Ça là. Flambusard. Bon, alors lui, je l'ai complètement raté. On a du 1 et du 2. Bon, la 1, elle sera facile à prendre. La 2, non. Chimp en feu, je l'ai complètement raté, clairement. Salamèche en 1. Bah, c'est un là, y a pas à hésiter. Aéroptérix en 4. Là, on voit un peu la pomme. Mais là, il est centré. Là, il a les ailes. Ça, c'est un là, quand même.
plaira en 3 et en 4. En 3, comment? Je vais mettre la 3, tant pis pour la mission. La mission, je la referai. Ouais, la mission, je la referai. Là, il n'y en a qu'une en 3, quoi. Gravalanche en 3. Il tombe. Il est tombé. Ah, celle-là. Chartor en 1 et en 3. Ah, bah là, j'ai le choix. En 1, il n'y a que celle-là. Et en 3. La 6. La 6, c'est cool. On va mettre la 6. La 1, on pourra la refaire Luxray en 1. Elles sont toutes nulles, hein, mes photos de Luxray. Typhlosion en 2. Ouais. C'est quoi là? En gros, c'est le faire briller. Et en 3. En 3, c'est celle-là. Allez, vas-y, professeur, donne-nous des bons scores là, des bonnes stats. Waouh, 4688. Flambuzard, ouais, je crois. Bronze. Flambuzard, il est complètement raté. Un bon feu. La mèche, elle est cool. Tac, avec une mission en passage. Terra. Avalanche. Chartor. Belle photo du diffusion. Allez, je dirais 25 000. Peut-être pas 20 000. 27 000, on passe niveau 3 déjà. Et il y a 66 980 à avoir quand même. Hein. Mais il y a une bonne marge d'amélioration, je pense. Avec des missions à jour. J'essayais de photographier un Chartor quand soudain il s'est levé sur ses pattes arrière. Cet endroit semble être le territoire de Typhlosion. Je me demande comment il réagirait si un Pokémon un peu costaud s'en approchait d'un peu trop près. Mais il est en hauteur là. Cache volcanique. Tu as remarqué les salamèches dispersées autour du volcan? Je me demande ce qu'il se passerait si on en trouvait plein. Ok. Et... ah ben ça c'est la... ok, donc ça c'est la mission validée. Lixi s'est perdu. Oh non, le pauvre. Il a pris peur, il allait se cacher. Si seulement... il faut le guider vers Luxray. Les Luxray utilisent leur capacité à voir à travers la matière. Tant qu'à faire, tu veux pas lui donner des... bon bref. Pour trouver ce qu'ils cherchent. Celui qui a pour effet de faire briller leurs yeux. D'accord. Un chasseur sachant chasser. As-tu vu un Flambuzard remporter une pomme tendre? Ok, bon, moi, c'est ce qu'il faut faire. Secoue ce volcan. Quand je me suis approché de Rexilius, j'ai entendu un énorme bruit. Du coup, il s'est mis à pleuvoir des trucs. D'accord. À retenir. À retenir. On repart au volcan. Alors. Oh! Est-ce qu'il va où? J'ai raté. Oh, belle photo de toi. Non, je t'en fiche.
Il est où le petit? Ah non, il est parti. Oh, c'était juste au début qu'il fallait le faire. Oh là là. Oh, je l'ai vu bouger les ailes. Trop tard. Bon. Faut regarder en hauteur aussi. On verra que j'ai raté. Toi. Bon, bah, raté deux fois. C'est ici l'endroit de l'explosion. Là-bas, il y a le. Là-bas, il y avait la fleur. J'ai fait la mèche. Il y a un truc ici que je n'ai pas capté. Hein. Oui, ils vont se foutre sur la gueule. Calmez-vous! Terra. Ils sont où, ils se passaient où les autres là? Quetzalcoatl. Ah mince, c'est. Voilà, purée, je voulais pas forcément faire ça. Bon, c'est pas grave. Oh, je l'ai pas appris au moment où il bougeait, mince. Pyroli. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est aussi un pyroli. Va te mettre sur les pattes arrière, toi. Il y a deux pyrolis maintenant. Ah bah tiens, ni magma, ça fait longtemps. Ok. Mais lui il veut pas. Bon, c'est pas. Il reste 19 photos. Il y a une fleur là? Non, c'est encore un pyrolis. Toi, j'ai pas réussi à t'avoir correctement. Il est assis. Les ptéras, ils vont se poser normalement. Typhosion. Tiens, cadeau. Mais tu voulais pas manger, Typhosion? Tendu, tendu. Ouais, il faut qu'il se pose là. On va voir. Oui, pose-toi. Tu vas manger. Yes. Yes. Balade, il n'y avait pas... pas grand chose.
champ bizarre en 1, une étoile. Toujours moche les photos, j'arrive pas à la voir correctement. En 2. Altaria, bon bah, Typhosion en 2. Un peu pareil, c'est pas simple à avoir. Pétilus en 2. C'est un là. C'est un là. Ouais, c'est un là, là, 6. Terra en 2 et en 4. En 2, c'est un là, on peut l'avoir, je pense. Et en 4, c'est quand il mange. Donc, on va prendre c'est un là. Gravalanche. Si vous trouvez un Gravalanche sur cette photo, dites-le moi. Sinon c'est celle-là. Pyroli en 1 et en 2. Alors plutôt en 2 du coup. Elle est bien la 13. La 12 même. La 12. Ouais, ça va être la 12. Chartor en 1. Et enfin l'Imagma en 2. On voit quasiment rien, le pauvre. Allez. Oh, le score nul. Ça, c'est un bon score par contre. C'est pas étonnant. Chimpanzé en feu. Elle est beaucoup mieux, ça là. Bon, ok, d'accord. Avec une mission. Ok, pour Gravalanche. Je suis pas d'accord, mais bon, ok. Pyroli. Ah, ça là, elle est chouette. Très bon. Waouh. Il manque 32 000. On retourne à la base par rapport à la mission. Je refasse le chemin de gauche. Bon, 32 000 XP, franchement, c'est faisable. Les oiseaux là. Ah, voilà une photo mieux. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Mince le petit. Oui, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Voilà, mission accomplie. Yes. Enfin. Bon, toi j'y arrive pas. C'est trop rapide pour moi. Attends.
Mince, il s'est secoué. J'ai pas pu le prendre en photo quand il a fait ça. Bon. Je vais pas faire une chorégraphie aussi pendant que vous êtes, je vais pas mettre toutes mes photos sur vous deux, hein. Ah, il y avait la mission de vie avec les yeux aussi. Oh là là. Raté. Oh, hop, hop, c'est quoi ça? Ils sont sur le mur. Ils sont sur le mur. D'accord. Dracofeu. Ah purée, je les ai pas vus. Debout. Mais non. Et j'ai raté Dracofeu. Ah, il est là. Il veut pas se poser Dracofeu. Non, il a pas envie. Ah si, ça y est. Ah non. Voilà, là j'ai pris une photo pour rien parce que le singe il m'a fait peur. Ah bah là je suis fou là. Bon, il y a des bonnes photos, mais il y a des photos complètement ratées encore. Ça. En 3. Non, alors, juste, on va m'expliquer où est-ce qu'il est là-dessus, parce que là... bien la mettre, la 3 je vais la mettre, ça fait du score. Mais là clairement la photo par rapport à l'autre elle est mieux. Et là pareil. Bon je mets ça là mais... Lixi, alors Lixi faut... Je dirais ça là. Ou ça là. Alors pour être sûr pour la quête, je dirais ça là. L'extrait, la 4. Terra en 2. Maxius. Ah, j'en ai 10 et 10. Bon, ben, il faudra faire un choix. Entre 2370 et. Oh, 4600. Il y a une amélioration ici. Hein. Alors, la 20. La 20 est plus centrée. La 18. La 17. La 17.
7. L'Imagma. 3300. Ah ouais, mais celle-là, ça va être compliqué. Du coup, ça va être celle-là. Ah, ça va peut-être pas mieux, hein, en vrai. Je vais mettre celle-là, mais je suis pas sûr que le score soit mieux. Drapeau feu en 1. Celle-là. Hein. Ou en 4. Pas sûr, ouais, on va prendre celle-là parce que je suis pas sûr de pouvoir la refaire. Bon, Gravalanche, 4050. Bon, on va tenter ça. Chartor. Ça sert à rien. Si, on va l'envoyer au professeur, mais. Yoshi. Nice timing. Ça m'a pas compté la mission. Ah si, j'ai eu peur. Oh. Et du coup, j'ai pas compté. 17 000, 18 000, 20 000, 16 000. 16 000 avec de la possibilité encore de d'avancer. On y retourne direct. Direct, on y retourne. Pas spammer le bouton sur les deux gros dinosaures. Hein. Non, on tournera après. Oh, il essaye de voler. Mince. T'avais les yeux bizarres. Comment t'as fait? Je sais pas. Il me reste 26.
Ah oui, il y avait l'histoire du magma qui faisait remonter la cascade. Et un drapeau feu. Après le drapeau. Hop, 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 il y a une fleur là. D'accord. Vous avez pas envie. Soit. Allez, 2 secondes. Alors, de quoi que va me dire le professeur pour les photos? Alors là, il y a une amélioration possible, surtout pour celle-là. Priorité. Celle-là aussi, hein, mais bon, voilà. Celle-là aussi. Mais on va d'abord mettre ça. Lixi. Mais j'en ai pris qu'une. Hein. Luxray. 1900, 4000. On va mettre l'amélioration. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, c'est un comparatif, ok. Celle-là. Alors. Il y a celle-là qui est chouette. La 7. La 7. J'ai un pan-feu en 3. Bah là. Celles-là sont bien, mais vu qu'il faut avoir le plus gros plan possible. Ça, hein. Ouais. Charter, bon bah voilà. Terra, voilà. Rexius, 4000 ou bien 4600. On va essayer d'améliorer ça là. Ah, la 5, la 7. La 8, la 8, peut-être, il y a peut-être moyen de faire une amélioration. Là, il faut quoi qu'il arrive, la 1. Donc, bon, ben voilà. L'imagma, Draco feu en 1, il n'y a que du 1 de toute façon. La 6, la 4. La 2, la 6, la 2, la 2, la 6, la 6, la 2. Celle-là. Et Pyroli en 1. Ouais, petit score sur Pyroli, je pense. Et enfin, Gravalanche, et Ruines Antiques. Si ça te fait plaisir. Et on y va. Ajime yo ka. Nice timing. Best
4000. Ouais, ça c'est normal. 4700. Un grand feu, 3470. Ah, ça se vaut, hein. Terra, il y a une amélioration. Rexivus, il y a une amélioration. Cool. Dame, il n'y en avait pas encore. Sur... Ah, dommage. Et dragon feu. Un tyrolien. Bon, on passe le niveau là normalement. Et le niveau max du volcan. On rentre à la base. On va faire un point sur la carte. Ah, l'émission. Ah oui, oui. J'ai réussi à la faire sans le vouloir. Ok. Beau. Photodex, on va enlever les notifications. On aura croisé pas mal d'évolutions, des évolutions d'Evoli. On aura croisé pas mal. Hein. Description, 3 points d'interrogation. Ok. Et vraiment nul. Dimagma. J'en ai que deux d'Imagma. Je me demande ce que ça peut être la 3 et la 4. J'ai vu combien de Pokémon? 98? 98 Pokémon. Je sais qu'il y en a 214 au total, ça veut dire que je n'ai pas vu la moitié. Waouh. D'accord. Non, c'est pas au parc naturel que je l'ai jeté un oeil, c'est au volcan. Ah, volcan, par contre, tu n'auras pas de jour-nuit. C'est qu'il n'y a pas écrit. Ce sera que ça. Ah ouais, j'en ai croisé pas mal en fait. Hein. Après la source Lumina, il arrive dans un instant. Face à la collection. Et voilà. La source Lumina du volcan d'Aptos. Je me demande quel Pokémon ça va être la source Lumina.
provienne de la lave. C'est là, c'est un qu'est-ce que c'est que ça? Deux Pyrax. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait deux Pokémon luminescents. Des Pokémon. C'est ça? Il y aurait des insectes. Ils sont engouffrés dans ce tunnel. Ils vont super vite en plus. Ah, il bouge. Arrête de bouger. Ça leur fait rien. Ça leur fait rien. Mais... Attends. Peur de cristal juste là-haut. Je peux même pas viser en fait, je peux pas leur... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, j'arrive. Légendaire. Ah, c'est un légendaire en plus? Mais Meganium, c'est un légendaire? Ils sont passés où? Ah, il a fait quelque chose. Ok, je lui ai lancé des pommes, ça lui a fait un truc. Vite. Allez. Ok, il est beau, il est magnifique. Bien joué. Allez, enlève ton bouclier. Ouais, c'est ça. Plus je spamme les pommes, plus ça enlève le bouclier. Vous saurez si vous jouez à Pokémon, lancer des pommes, ça enlève le bouclier. Ils sont où? Oh purée, j'arrive. Il est où là? Par contre, il faut avoir toutes les fleurs de cristal en même temps. Là. Là-bas. Il s'est rechargé. Non. Je sais pas. Oh non, les deux, ils ont remis le bouclier. Mais l'autre, du coup, il est où? Allez! Ça y est, touché. La fleur. S'il va aller sur la fleur. Bonjour.
On voit la sortie. Génial. Wow, les motifs, magnifiques. Excusez-moi, je vous ai perdu. Les deux signaux d'énergie ont disparu. Mais non, déconne. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste des photos et tout. Tellement de choses à te dire. J'ai pris 57 photos. Mais celles-là, elles étaient hyper dures à faire. Je vais partir sur celle-là parce qu'elle était hyper dure à faire. J'espère qu'il va mettre pas mal d'XP parce qu'il y a qu'un Pokémon quoi. Donc, une photo hein. Le bruit. 4449. C'est gentil parce qu'elle est pas centrée. Combien du coup? Ah, bon. Niveau suivant dans 1. Ok. D'accord. Je passe au niveau 2 de la source Lumina et il me manque 30 000 points. Comment je vais faire pour avoir 30 000 points d'XP sachant qu'il n'y avait qu'un Pokémon? On en trouvera peut-être d'autres par la suite, mais là si j'arrive à avoir 4 000 sur les 3 autres cases, ça me fait 12 000, je suis même pas à la moitié. Maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurai une annonce à faire. J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus. Oui, on rentre à la base. Comme nous le soupçonnions, cet archipel abritait bel et bien un Pokémon luminescent. Cela conforte la théorie selon laquelle les légendes de Lantis seraient fondées sur des faits réels. Je vois, mais dans ce cas, ce serait quoi cette catastrophe dont elle parle? D'après ce que l'on sait, probablement une météorite. Ils vont nous le ressortir à chaque épisode, ça là? La météorite de Tellure, pour être exact. On sait qu'elle s'est écrasée sur la surface terrestre il y a 2000 ans. Joli dessin. D'après la légende, l'énergie des Pokémon luminescents serait propagée à travers toute la région, faisant briller l'ensemble des Pokémon de Lantis. Enfin quelque chose dans ce goût-là. Merci. Toutefois, j'ai une autre théorie. Je pense que c'est à cause de la météorite que les Pokémon se sont mis à briller. C'est pas ce que tu viens de dire. Et les Pokémon luminescents sont ceux qui ont davantage n'ont été davantage affectés que les autres par l'impact de cette météorite. Ça voudrait dire que la légende est fausse. C'est ce que nous essayons de déterminer en explorant la région. C'est là le but de nos recherches. On va voir la mission.
Pyrax. Aurais-tu inspecté ces deux Pyrax? Ils avaient l'air de discuter ensemble. Bah, en gros, c'est prendre une photo des deux Pyrax en même temps. Voilà, bonjour. Bonjour Todd. Ça faisait longtemps. Alors, comment font les explorations? Je sais que le Neo One a été conçu pour se téléporter facilement vers les autres îles, mais que dirais-tu de l'utiliser ici pour explorer la base? Ce sera l'occasion de voir sous un jour nouveau les Pokémon que tu croises au quotidien. Tu peux accéder à ce parcours en sélectionnant l'icône en haut à gauche de l'écran lorsque tu es à la base. N'hésite pas à te lancer dans cette nouvelle aventure si l'envie t'en prend. Donc on a une base à explorer maintenant. Explorer la base. Mais j'ai pas fini moi. Ça veut dire que pour les prochaines fois, il y a les fonds marins de Gantis, il y a la forêt sibylline et la base. Donc on a déjà trois régions à faire. Je suis pas la moitié des Pokémon, je me demande bien. Parce que là c'est toute la map en entier en fait, je me demande bien où est-ce qu'on va pouvoir aller ensuite. C'est des trucs là. Après il y a des îles aussi, mais bon. On verra bien. On revient à la source. Mince, voilà, je pars, je regarde même pas la carte. Arrêtez de bouger. Oh! Donc il y a bien d'autres Pokémon. Arrête de bouger, au secours! Il y a une fleur de cristal en plus. On voit que le bouclier est réduit, mais... Okay. Attends, il y en a qu'un ou il y en a deux? Il y en a qu'un. Je peux pas monter plus haut. Ah mais il y en a un deuxième. Ou alors c'est le même. Enfin, en même temps j'ai pris une photo des deux juste avant. J'aurais pu scripter ça autrement parce que c'est super chiant. C'est pas agréable ça. Prends des photos, moi.
Et même Meganium était plus agréable à prendre en photo. Ok. Qu'est-ce que... N'attendez pas eux, je vous dis. Bon, les deux Phyrax. J'arrive pas à les éteindre les deux, c'est horrible. Oui, yes, j'ai éteint les deux. J'ai plus de photos. Ah, j'ai plus de photos. Bon, alors on sait qu'il y a eux, il y a le singe. Allez-y, c'est ça, narguez-moi maintenant que je peux plus faire de photos. Du parcours. Alors j'ai fait 40 photos en 1 et 2 à 3. Donc, c'est celle-là, j'ai bien aimé. Ça, ce sera possible de les refaire. Enfin, là, par contre, je suis pas sûr. Chimpanfeu. Cette photo du chimpanfeu. Alors, il y a la numéro 7. La 6, plutôt. La 6. La 6, toujours. Allez, ça part pour la 6. Aéroptérix. La 18. La 15 toujours. Allez, on part pour la 15. Petit score. Hein. Oh, 4000 11644, mais ouais, mais... Il y a un niveau 3. S'il y a un niveau 3.
Comment tu veux anticiper les mouvements? Sérieusement. Non, reviens, t'es joli et tout. Bon, j'ai mitraillé, il est où l'autre? Y'a que lui? Il n'y avait pas deux? Bah. Ah purée! J'ai perdu. Encore? Je vais les éteindre combien de fois? Hein. J'espère que le véhicule a un gros stock de pommes, hein, parce que là... Allez, on l'a presque. Yes, non, je... Oh purée, purée. Toujours plus loin. Je peux avoir vous deux en même temps, s'il vous plaît, qui brille là. Et il est... Avoir les deux en même temps. Je
ne pense pas. Non, c'est fini. C'est fini. C'est vraiment beaucoup plus dur que par rapport à Meganium. Beaucoup plus dur. Belle photo en 1. 54, 53. À 38. La 24. La 24 est plus centrée. Après, c'était la 50 et quelques. C'est la 24. Ah oh, purée, non. J'ai mis la 24. On va y arriver, je reviens à la 50. C'était laquelle? Alors toi, il faut reprendre soit 3183 à battre, soit 3478. Alors celle-là, ça va être difficile. Celle-là, est-ce qu'on peut faire un truc? Que 9832, mais là ça se complique encore hein. Oui, on recommence bien sûr. 9832.
je trouve des nouveaux Pokémon. Regardez laquelle est marquée de rouge. Bon, ils sont. Allez, fais quelque chose, pirate. Il est pas intéressé. Il est pas intéressé du tout. Il y a pas des Pokémon là-dedans là. Non, pas de Pokémon. Bon, à part toi. C'est... Avec, comment il s'appelle, Meganium, il y avait Shaymin, Evoli et Nymphali, je crois qu'il s'appelle. Là, avec Phyrax, il y a le singe et l'espèce de hybride mythologique. Peut-être qu'il y aurait un autre Pokémon encore. Et surtout, est-ce que ça fait quelque chose si j'allume toutes les fleurs de cristal en même temps? Là.
hyper dur d'allumer le train. Ah, elle est trop basse là. Est-ce qu'on peut terminer? Reprendre, abandonner, recommencer? Non, bah rien du tout, tout ça en fait. Je voulais juste accélérer la terminaison, mais je vais pas prendre 50 photos dans le vide. Voilà, en plus, je suis bientôt là. C'est pas... Ça va être difficile d'augmenter le score. Très difficile. Ah. Ouais. Hyper difficile. Donc là on a du 5000. Là on a du 4489 et là du 4100. Va améliorer le 5000 quoi. Le 5000, il y a 35 photos. Il y aurait ça là. En deux. S'il y a moyen, la 5. Il y a la 5 là. Et là. Ouais, on va partir sur la 5. Je suis quasi sûr de mon coup là sur la 5. Je suis un peu en feu. Voilà. La 5. La 3. La 3. Aéroptique, T-Rex, Aéroptérix. Là on voit pas grand chose, là il y a... là on voit encore moins. Je vais partir sur ça. Ça fait... 5200. Je suis sûr de mon coup, il manque que la photo 4 hein. Que la photo 4. Petite amélioration. Que la photo 4 aussi. Et la page est déjà complète. Comment faire les deux photos manquantes, deux fois 4000 voire un peu plus, je vois, je peux passer le niveau en espérant que ce soit là, vraiment le qui est pas un niveau 3 quoi. Mais alors comment attraper cette dernière photo manquante? Je sais pas trop. On va faire un tour au labo, on y est, photo Dex.
pour mettre à jour avec les notifications. Là. Il y a un autre trajet. Ça revient au même, mais il y a un autre trajet. Ouais, ils ont mis la base ici. Bien, bien, bien. Je vais faire un tour à l'Instagram. Pokémon. Faut lui trouver un nom à ce truc. Hein. Pokégram, Instamon. Faut l'utiliser cet après-midi, je sais pas, mais faut lui trouver un nom. Parce que mode en ligne. Franchement. Ah, là, il y a des titres. Lave bleue et festin de flamme. Est-ce que c'était tout ou il y en avait d'autres? Non, il y en a d'autres. Alors, où est-ce que ça se cache? Ah, ici, fan du type feu. 10 Pokémon de type feu. C'est tout ce qui est ouais, voilà, c'est les stickers. On passe au mode en ligne. Classement. Mon score à moi. Ah, il y en a quand même 16 là déjà. Ah, ça peut, ça va pas trop bouger. Bien. La prochaine fois, on ira faire un tour dans les fonds marins. Puis ensuite, il y a la forêt sibylline, il y a la base aussi à explorer. Donc, à voir lequel des deux en premier. Mais quoi qu'il arrive, la prochaine fois, c'est les fonds marins. La prochaine fois pour Pokémon Snap, ce sera mercredi après-midi à 14h. Sinon, d'ici là, je vous retrouve demain soir à 21h, pour, comme tous les mardis soirs, les soirées communautaires, les petits rendez-vous mardi Vassound, et on fera du Scribble, un petit jeu de dessin type Pictionary, histoire de passer un bon moment. Avec vous, si vous voulez, sur Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, mais aussi avec les copains et les copines. Passez une agréable nuit, passez une bonne nuit, je vous retrouve donc demain. N'hésitez pas à suivre et à vous abonner partout, vous connaissez la chanson. Voilà, cordialement bisous, à demain.